Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à la France Insoumise et à Rachel Garrido, à qui cette vidéo s'adresse en particulier. Je viens de finir de regarder la conférence « La Commune, laboratoire de la 6ème République », dans laquelle Madame Garrido vous dit notamment ceci. D'ailleurs, cette démocratie directe en permanence, mais j'y reviendrai, pose d'autres types de défis, qui sont ceux des filtres naturels de la participation. Par exemple, si vous aviez dans votre commune une assemblée générale permanente, tous les jours, pour que toutes les décisions qui sont soumises au conseil municipal, en fait, soient délibérées par les habitants volontaires, vous vous retrouviez, et vous le savez très bien, vous vous retrouveriez avec une situation où seulement les personnes les plus engagées, les plus motivées, viendraient, ce qui est une déformation. Donc la problématique est de faire revenir à la politique la pratique du pouvoir, la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la gestion de la société, les abstentionnistes ou les Français peu suffisamment politisés ou dégoûtés de la politique. Donc les faire revenir à la pratique du pouvoir, à la pratique de la décision commune de la gestion de la société. Donc l'idée que je propose, c'est l'idée suivante. Basée sur la pratique des jurés citoyens, donc ces jurés que l'on tire au sort dans la population, sans tenir compte de la compétence ou de l'éducation, on fait confiance aux Français, quels qu'ils soient, à venir participer pour quelque chose de très important, puisqu'il s'agit d'un procès de la culpabilité ou de la non-culpabilité, de juger la culpabilité ou de la non-culpabilité d'une personne, donc avec la conséquence de l'envoyer en prison. Donc c'est une décision très grave, très importante à prendre, et pourtant on fait confiance aux Français que l'on tire au sort pour prendre cette décision. Donc de la même façon, je pense que lors de la campagne et puis ensuite, après la victoire, lors de la pratique du pouvoir, il faut donc pendant la campagne proposer ce tirage au sort des citoyens afin qu'ils viennent participer à tel ordre du jour ou sur tel sujet précis à la délibération commune aux côtés de ceux qui auront été élus. Et puis ensuite, donc ça c'est la proposition pendant la campagne, et puis ensuite évidemment de l'appliquer quand on aura gagné le pouvoir dans les municipales. Et avec la possibilité, le cas échéant, de refuser de participer, comme pour les jurés citoyens, ils peuvent aussi le refuser selon certaines situations qu'il faudra évidemment établir. Mais voilà, je pense que ça répond au fait de faire revenir des gens qui ne feraient pas la démarche eux-mêmes de venir participer aux décisions, à la pratique commune du pouvoir, mais qui sont simplement soit pas informés, soit qui n'ont pas la volonté de le faire. Donc voilà, en tirant au sort des concitoyens afin qu'ils viennent participer sur tel ordre du jour ou sur tel sujet particulier, je pense qu'on peut faire, qu'on peut ramener des gens qui n'auraient pas fait la démarche, comme je l'ai dit et je le répète, et aussi montrer par la pratique aux autres qu'effectivement, tout comme il est possible pour de simples citoyens lambda de participer à un procès en étant ceux qui vont prendre la décision, eh bien, de la même façon, montrer que de simples citoyens lambda, même s'ils ne sont pas éduqués, même s'ils ne sont pas politisés, même s'ils ne sont pas experts dans tel ou tel domaine, peuvent venir et ont toute légitimité à venir participer à la prise de décision. Voilà l'idée que j'ai. J'ai appelé ça municipaliste citoyen, mais juste pour le titre de la vidéo. Il faudra trouver un nom. Mais voilà, basé sur les jurys citoyens. Je pense que c'est une proposition qui répond à cet impératif d'innovation dont vous parlez dans la conférence. Je voudrais terminer la vidéo en revenant sur un point que vous avez rappelé et une question qui vous a été posée par Paul Vanier au sujet du RIC. Est-ce qu'il est à lui tout seul suffisant? C'est l'un des points majeurs qu'on réclamait et que continuent de réclamer les jeunes. Et comme vous l'avez très bien dit, je suis très content et tout à fait d'accord avec l'analyse et ce que vous avez pu exprimer, par rapport à la question de Paul Vanier, c'est qu'effectivement, peut-être que cet outil ne va pas être l'alpha et l'oméga et en lui seul tout changer, mais il est central, il est primordial, et l'une des raisons étant stratégique, c'est que c'est la revendication centrale des Gilets jaunes. Donc si la France insoumise veut apparaître comme ce qu'elle prétend être, et ce que je crois qu'elle est, évidemment, comme étant véritablement un mouvement ouvert, un mouvement citoyen et un mouvement qui ne fait pas de la politique comme ce qui a été fait jusqu'à présent, alors il faut vraiment qu'au sein de la France Insoumise, nous comprenions que cette revendication du référendum d'initiative citoyenne en toute matière et selon les conditions qu'auront décidé les Gilets jaunes, les différents collectifs de les Gilets jaunes qui doivent se réunir pour définir, mais je crois que c'est à peu près fait,
de quelle façon le référendum d'initiative citoyenne doit s'appliquer, eh bien la France insoumise doit le reprendre tel quel et le mettre au cœur de sa stratégie, au cœur de son programme pour les municipales, en vue évidemment de la présidentielle. Parce que comme vous l'avez très bien dit dans cette conférence, ce qu'on va essayer de faire au niveau des municipales, c'est de montrer, c'est le laboratoire, c'est le titre de la conférence, c'est de montrer par la pratique ce que nous ferions si nous arrivions au pouvoir, entre guillemets, suprême, ou au pouvoir présidentiel, pouvoir du gouvernement. Donc, comme c'est une marche très grande et difficile à atteindre pour notre mouvance, surtout avec les médias qui ne cessent de décorner notre image, etc., il faut explorer tous les chemins, et celui des municipales est tout à fait pertinent, parce qu'il est peut-être plus réaliste, réalisable, je veux dire, plutôt, et qu'une fois qu'on aura atteint, même si c'est pas de partout, mais quelques municipalités à droite à gauche, par le faire, on peut montrer à la fois qu'on est capable de diriger et qu'on inclut le citoyen, et que c'est ce que nous ferions à plus grande échelle, à l'échelle nationale, si nous étions les vainqueurs des prochaines présidentielles. Donc voilà ce que je voulais dire. J'espère que l'idée est à la fois claire et pertinente, intéressante, et j'espère qu'elle contribuera à la victoire de la France insoumise, c'est-à-dire en réalité à la victoire des citoyens, des Français en eux-mêmes. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, je finis ma vidéo par le triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité, vive la France !